Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Star Citizen. Alors qu'est-ce que Star Citizen? Star Citizen est une sorte de MMO qui est en train de se créer, où en fait on est un citoyen de l'univers, donc je vais vous montrer. Donc là j'ai ma tenue pirate, c'est très bien. Attendez une seconde. Donc c'est une sorte de MMO qui est en train de se créer, donc il est en alpha. Et le but c'est un peu de faire tout ce qu'on veut dans l'univers, c'est-à-dire qu'on peut être marchand, explorateur, transporteur en tout genre, pirate, mercenaire, etc. Bref. Donc ce jeu je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois, et mon PC n'était pas encore assez puissant pour le faire tourner. Là j'ai trouvé une petite méthode pour vous faire tourner, mais il sera à 20 FPS environ, parce qu'il n'est pas encore optimisé. Il sera optimisé qu'à partir de juillet. Et là, je vous ferai vraiment une série complète. Donc, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne parce que justement j'avais ce jeu. Et je me suis dit, il faut que je me justifie. Du coup, je vous fais cette vidéo même si elle est qualité un peu réduite. Et ça, je m'en excuse vraiment. Mais je peux pas faire mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter rapidement Star Citizen. Je vais vous montrer un de mes vaisseaux, mon favori, qui est le Mustang Beta. Qui n'est pas le starter, mais la version améliorée. Et puis, on va voir ce qu'on va faire. Donc je vais vous montrer à peu près la zone PVP. Je vais pas vous montrer la zone pirate parce que sinon je vais trop laguer. Ah, ça c'est un vaisseau qui passe en quantum. Du coup, je vais vous montrer après la zone PVP. On va faire une mission. Et puis après je vous montrerai comment on manipule. Après, on ira dans le hangar. Ouais, je vous montrerai le hangar rapidement. Et peut-être que avant je vous montrerai l'Aurora qui est le starter. Que je vais peut-être changer d'ailleurs, mais je ne sais pas encore. Donc c'est parti. Donc on commence. Donc déjà on peut voir que la qualité visuelle est géniale, il n'y a pas d'autre mot. Bon, là je l'ai pas mis en ultra parce que sinon mon PC il a l'air surchauffé. Déjà que j'ai dû débrancher l'écran 4K. Mais déjà on peut voir que la qualité graphique même en médium est quand même bien supérieure aux autres jeux. Et je crois que c'est même supérieur déjà à GTA 5 en ultra, 4K que j'ai essayé. Mais quand j'ai vu ce jeu la première fois... Bon, là j'ai des grosses chutes, excusez-moi, parce que là on est dans la grande zone où il y a tout le monde. Du coup je vais prendre le Mustang Beta. Donc en C7. Alors il y a 4 pads dans la zone de spawn qui s'appelle Olisar. Le A, le B, le C et le D. Chacun sont pareils, c'est juste pour un peu trier les joueurs. Donc là je suis en C, donc en bout de Olisar. Et je vais vous montrer après la répartition. Donc là on a des trucs pour se changer, d'ailleurs je vais utiliser sinon je vais crever. Car c'est l'espace, il n'y a pas d'air. Voilà, donc là j'ai ma tenue pirate. C'est pas une tenue de base, mais bon. Celle-là elle a coûté 14 000 unités. Pour vous dire, une 1000 unités s'obtient avec une mission. Donc c'est comme si je faisais 14 missions, ce qui est assez dur. Et voilà les tenues de base pour tout ce qui n'est pas pirate. Pour être pirate, pour avoir les tenues pirates, faut aller dans la base pirate, bien sûr. Donc j'ai aussi celle-là. Donc il y a 7375. Et j'ai aussi celle-là, qui est à 20 000. Donc bon. Après les autres me plaisent vraiment pas. Oula, c'est quoi cette merde? Où elle est? J'ai vu une merde. Elle est là. Oh, c'est un viseur, d'accord. Il y a parfois des petits bugs. Bon, c'est encore une alpha. Et elle est pas du tout optimisée. Donc on va sortir de la zone de l'enfer des FPS. Oh, il y a un joueur. D'accord, lui il a l'armure à 20 000. Ah oui, l'armure à 20 000, je la mets pas parce qu'elle obstrue totalement la vision. C'est un truc de fou. Mais elle est vraiment résistante. Oula là là là, les fesses. Donc il n'y a personne à côté de moi. Je vais directement monter dans le Mustang et je vais vous le présenter plus tard. D'abord, je vais quitter la zone. Je pense que ce serait plus judicieux. Que là, je lag à mort.
Donc on décolle. Attention, je vais démarrer. Ça c'est le petit mode, ça c'est le grand mode. Bref, je vais vous expliquer. Donc les vaisseaux, quand ils se manipulent, c'est avec la souris, ou alors manette ou joystick. Et donc il y a deux modes de vitesse. La première vitesse, la simple, attendez que je revienne. Voilà, donc là je suis à 100% de la vitesse de combat avant. Donc c'est celle du boost qui va être supprimée. C'est vraiment la vitesse de base qui est sympa. Et ensuite on a l'afterburner qui utilise du carburant qui est là. Là ça c'est du carburant. Et quand j'en ai plus, bah, je peux plus passer en afterburner, bien sûr. Et là, ça augmente vraiment la vitesse. En plus, les traînées sont déjà plus grandes. Mais j'arrive pas à les mettre. Donc, nous allons aller un peu plus loin. Là, j'active l'hyperespace. Voilà, donc je m'arrête. Et on sort. Déjà, on est mieux que tout à l'heure. Je vais augmenter un peu le son. Donc voilà l'arrière. Contrairement à la variante de base qui est l'alpha, on n'a pas cette salle. Enfin, on a cette salle, justement. Donc là, c'est le lit. On pourra sauvegarder ici, quand la 3.0 sortira. Là. Oula. Je ne me suis pas assez rapproché. Donc je recommence. Donc le lit est à droite. À gauche, nous avons les saintes toilettes. Ensuite, nous avons bien entendu des ranges. On ne sait pas encore à quoi ils vont servir. Mais en tout cas, ceux-ci vont servir pour les petits guns. Parce qu'on pourra stocker. Ah si! À partir de la 3.0, on pourra stocker nos objets. On pourra carrément prendre des objets. Par exemple, le verre d'eau qui était au lissard, je pourrais le prendre et le mettre là. Voilà. Donc, ça, c'est des petits ranges. Là-bas, c'est un siège, c'est pas un lit. Là, c'est pour les armures ou tous les gros guns. J'ai eu un petit lag. Ah, bah, il m'a fait rentrer dans le siège. Donc, vous allez voir. Donc, voilà, il n'y a rien de plus pour le moment. Dans ce vaisseau, il n'y a rien de plus. Mais il est déjà pas mal parce que c'est un vaisseau d'exploration et donc je pourrais passer dans des trous de verre. Pour ceux qui s'y connaissent dans Star Citizen. Donc, nous allons voir la zone PVP. Alors. La zone PVP. Elle est là-haut. Ouais, ça. Elle est là. Vais passer dans cette vue-là. Je sais pas si je l'ai loupé ou pas. Ouais, je l'avais loupé. C'est bien ce que je pensais. À chaque fois que je vais dans cette vue-là, je la loupe tout le temps. Et bien entendu, c'est obstrué, c'est génial. Et en plus, je lag. Donc, je vais passer par là. Il doit y avoir un objet de la station qui doit me bloquer. Donc, je compte tout un tout petit peu. Ça peut suffire. Voilà, non. Donc, je vais aller un peu vers la droite. Oh là là, ça devrait suffire. Là, je suis assez proche de la station. Encore? Je vois pas pourquoi c'est obstrué encore.
Là, si c'est encore obstrué, je sais pas. Ah, c'est peut-être la planète. Ouais, c'est ça, c'est la planète. Je vais devoir la dépasser. Voilà, c'est mieux. Alors, quand on désactive le quantum, comme je fais à chaque fois, ce n'est pas instantané. C'est pour ça que je vais parfois trop loin. C'est parce qu'il y a un temps d'environ 3-4 secondes, ça dépend, suivant la vitesse, pour s'arrêter. C'est pas. Sinon, vous savez, quand vous avez une voiture, quand vous freinez directement, ça fait un énorme choc. C'est à peu près la même chose. Oh là là, je vais pas y aller. Nope. Ok, ce n'est pas très accueillant. En plus, il essaie de me tirer dessus. Il n'a pas désactivé mon quantum. Il a réussi à me toucher quand il m'a touché à désactiver mon quantum. C'est la première fois que je vois ça. Ok. Très bien, très bien. Donc, maintenant nous allons retourner à Olisar. Ou ouais, on va retourner à Olisar, on fera la mission une autre fois, je pense. Parce que là, je pense que ça, c'était juste pour vous montrer à peu près qu'est-ce que je faisais. Et qu'est-ce qui vous attend environ pour juillet, pendant les vacances d'été. Parce que je vais faire que ça, c'est clair. Mais bon. Donc, les pas d'Olisar. Donc, je vais enlever l'indicateur d'ennemi. S'il veut bien. Voilà. Donc, le pad où on était tout à l'heure, c'était le C qui était ici. Il y a aussi le D, qui sont exactement identiques. Après, les joueurs ne spawnent pas forcément là. Donc, apparemment, il y a un autre Mustang bêta. C'est assez rare les Mustangs bêta. Il y a plus de gros vaisseaux en fait. Alors, ici il n'y a rien. C'est le pad B. Les gens spawnent plus souvent sur le pad B d'après ce que je vois. Là c'est quoi? Encore un Mustang bêta. Ah non, le Mustang bêta de tout à l'heure. On ne sait pas ce que c'est. Ah. Hein? On dirait un Caster Pillar. C'est un Caster Pillar. C'est le deuxième plus gros vaisseau du jeu. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Ce qui se ferait cette vidéo, en fait, une vidéo très intéressante. Pour le coup. Si il éteint ses moteurs, je vais direct dans son machin. Il les a pas du tout éteints. Alors, il va atterrir. Je vois qu'il a mis ses trains d'atterrissage. Je le suis. Apparemment, je suis plus rapide que lui. Là, on est à peu près à la même vitesse. Même si je suis un tout petit peu plus rapide. Par contre, je lag quand il arrive à Olisar. Donc, je vais me poser. Ok, donc je vais atterrir là, je suis à. Il doit atterrir là actuellement. C'est un des vaisseaux qui fait le plus laguer. Ah, il vient d'éteindre son moteur.
Ok, mais j'ai pris un peu de dégâts. Pour entrer, c'est là-bas. Il atterrit ou pas? Oui. Oui. Ah non. J'essaie de rentrer dedans, je vais forcer. Alors. Pour rentrer dans un Caterpillar, il y a deux façons. Il y a soit par l'ascenseur qu'il a déployé comme un con, alors que son vaisseau n'était même pas totalement arrêté. Et la deuxième, c'est par les modules. Qui est beaucoup plus badass, mais deux fois plus dur. Dégage, 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 dégage. Oui, c'est bon. Allez, atterri, 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 atterri. Oui. Parfait. Les lags à l'intérieur, c'est un truc de fou. Si je me souviens bien pour. Ouh là là, ouh là là. Arrête, arrête, arrête. Voilà. Pour rentrer dans la salle de pilotage, c'est par là. Tourne. Ouais, c'est ça. C'est un micro-labyrinthe. Voilà, ça devrait être mieux. On va aller ailler là. Il est quand même bien beau ce vaisseau, je trouve. Capte déjà le. Oh, on scanner va loin. Donc, c'est le deuxième plus gros vaisseau. On a eu de la chance. Non, voilà. Ah, je vais me désactiver mon mode course parce que j'ai passé d'FPS. Donc, nous avons accès aux deux modules. Donc, c'est vraiment les pièces qui sont sur le côté du vaisseau. Oula. Et on a ça durant tout le long pendant 5 pièces. Donc, je vais pas toutes les faire. Il n'y a que la dernière qui est vraiment intéressante. Celle-là. Celle-là, on pourra faire rentrer des vaisseaux dedans. C'est tout à l'avant. Ensuite, nous avons une tourelle ici. Je vais y aller.
paraît qu'elle est un peu buggée celle-là. Je trouve pas tellement. Non, elle est très bien. Donc voilà pour ce vaisseau. Nous allons retourner à Olisar, se poser, puis nous allons nous revoir une prochaine fois pour une vraie mission et tout. Je pense que je vais attendre juillet avec la 3.0, déjà parce que j'ai mon bac dans pas longtemps, et surtout parce qu'il y aura beaucoup plus de contenu et qui serait bien plus intéressant en fait. Donc je pense qu'on va faire ça. Mais si vous voulez, je vais peut-être faire d'autres vidéos en attendant, mais ce serait des vidéos de présentation de vaisseau. Donc ce serait du rapide. Et mais ce serait tout quoi. Donc Olisar est là-bas. Ça, normalement, le Caterpillar est un vaisseau de marchandises, donc pour le transport. C'est un très très bon vaisseau, par contre, il est de la marque Drake, donc c'est surtout pour les pirates. Parce qu'il est pas très cher, enfin, dans le jeu final, il sera pas très cher, et en gros, c'est un truc pour les pirates. Allez, avance, avance. C'est le vaisseau qui fait le plus laguer, je trouve. Oh, il y en a un autre là-bas, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un casse-appel là. Il faut avancer. Voilà. Voilà, donc pour sortir du Caterpillar, il y a deux solutions. Soit on utilise la méthode de base, ou comme je suis rentré, donc c'est-à-dire que je vais prendre un module. Soit on prend la méthode plus conventionnelle, entre guillemets, bien entendu. Et je crois que c'est pas par là. Non, ce n'est pas par là. On va par là. Et on prend l'ascenseur. Il y avait aussi une autre tourelle par là, mais elle n'est pas utile. Alors. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un like ou alors en la partageant. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut!